Plaisir les gens, c'est Venim pour une nouvelle vidéo de NNM News et aujourd'hui déjà deux trucs. Premièrement, je m'excuse d'avance pour la luminosité dégueulasse, cette vidéo n'est pas super bien préparée. Et deuxièmement, je ne suis pas dans mon studio actuellement, je suis dans mon autre studio, un studio temporaire. En principe, c'est dans ce studio là que se passera la review du Nerf Hyper Match le 26 juin, à moins que ce soit reporté à cause des retards de livraison, mais en principe le 26 juin, j'ai le match. 8 mois en avance hein, quand même, je suis en avance par rapport à tout le monde moi en fait. Aujourd'hui, une news assez exceptionnelle les gars, tout nouveau Blaster Fortnite a été annoncé et il titille les esprits pour plusieurs trucs en même temps. Donc voici le sommaire de cette news, avec un seul truc. Le Nerf Fortnite BAR a été montré. Enfin, le Burst AR, bon du coup il s'appelle BAR, BAR pour Burst Assault Rifle, fusil d'assaut à rafale en français. Bon, rafale c'est mal dit, donc fusil d'assaut à burst. C'est comme ça qu'il s'appelle dans Fortnite. Et le voici ici, vraiment, hein, oui. Il a enfin été annoncé, et il a une boîte, je vous la montrerai après. Bon, comment vous dire? J'ai envie de vous dire qu'il a quand même de la gueule. Dans le sens où il est quand même assez stylé que maintenant tous les nerfs Fortnite ne sont plus par rareté. Avant on avait ARL par exemple pour fusil d'assaut légendaire. Mais maintenant tout ce qui est légendaire, épique et compagnie, ils l'ont enlevé. Hein. Clairement ça n'existe plus tout ça. Maintenant tous les nerfs Fortnite sont dans des couleurs totalement choisies au hasard par Hasbro, Epic Games, compagnie. Donc là pour celui-là ils ont choisi blanc avec des rayures orange, mais ça aurait très bien pu être violet avec des rayures vertes, hein, mais bon bref. Donc, trois trucs exceptionnels. La première, la couleur, donc c'est ce que je viens de vous dire. Deuxièmement, c'est un blaster qui vient, donc c'est une arme réelle, donc c'est un blaster qui vient du jeu vidéo Fortnite qui lui-même reprend des armes réelles. Donc il s'agit de l'arme réelle du Steyr AUG. Donc le Steyr AUG qui est le cousin du FAMAS. Et oui les gars, justement, on devait avoir un FAMAS, je vous en avais parlé dans une certaine news auquel je vous montre la miniature à l'écran. N'hésitez pas à aller voir cette vidéo. Pour ceux qui l'ont pas vu, on avait parlé beaucoup de choses. J'avais annoncé, d'ailleurs cette vidéo avait explosé, plus de 1000 vues tout, merci à tous. Comment vous dire, FAMAS avait été annoncé. Sauf que finalement ils ont choisi de pas mettre le FAMAS mais de mettre son supérieur. Attention, le Steyr AUG ma gueule. Et autant vous dire que c'est assez choquant parce que jusqu'à présent, si vous connaissez Fortnite, vous savez qu'il y a le chapitre 1 et le chapitre 2 actuellement. Et les armes du chapitre 2 n'ont pas forcément la même apparence que dans le chapitre 1. Cette arme là, à l'époque du chapitre 1 de Fortnite, donc il y a quelques années, il y a plus de 2 ans déjà, ou 3 ans, je sais plus. Elle avait l'apparence d'un FAMAS, ce que depuis l'arme a changé d'apparence pour devenir un Steyr AUG. Évidemment, le FAMAS existe toujours dans le jeu Fortnite, mais c'est devenu une arme un peu moisie, hein, on va pas se le cacher. Donc du coup, bah voilà, ça c'est les deux premières choses. Déjà la couleur, voilà, et le fait que ce soit une arme du chapitre 2, et comme c'est une arme chapitre 2 et qu'il y a beaucoup plus d'armes dans le chapitre 2, ça ouvre l'opportunité à Hasbro de créer encore plus de Nerf Fortnite, sachant qu'il y a quand même quelques personnes qui râlent parce que Nerf Fortnite, écoutez, Nerf ne sont pas là pour régler la performance, Nerf sont là pour faire des pognons, oui, et aussi, surtout, pour faire plaisir. Et donc, les fans de Fortnite, vous êtes ravis en principe. Mais la troisième chose la plus importante, c'est que ce blaster, tenez-vous bien, c'est une théorie, on n'est pas sûr, ce blaster prend 4 piles de type C. D'accord? Tous les blasters qui tirent, donc c'est un bullpop, hein, comme le Raven. Déjà, le viseur qui est sur le dessus, là, sur le blaster, on pourra l'enlever. Le spoiler, et sur ce viseur même, il y a des rails tactiques. Juste envie de vous dire un truc, les derniers blasters fusil d'assaut qui tirent en rafale, ils prennent tous des piles C et D. Hein, les piles C, donc c'est les piles moyennes, c'est pas les petites piles classiques, c'est les piles moyennes. C'est pas les grosses grosses les D, mais c'est les moyens grosses, tu vois. Le turbine, fusil d'assaut qui tire en rafale, il prend 4 piles de C. Le régulateur, fusil d'assaut qui tire en rafale, il prend 4 piles C. Le rapid strike, pareil, 4 piles C. Le stratohawk, 4 piles C. Il y a aussi l'Infinus, l'Hyperfire qui prennent des piles D, bon ça c'est encore plus gros. Tous les blasters qui ne tirent pas en rafale, c'est-à-dire que quand on appuie et que ça tire tac d'un coup, comme le Strife, le Raven et compagnie, ils prennent tous des piles AA, les classiques. À part quelques exceptions comme le Nerf Halo MA40, qui est une espèce d'énorme fusil d'assaut bullpop, un peu comme celui-là, sauf qu'il est encore plus gros. Il prend 6 piles de taille C, je crois, et pourtant il tire au coup par coup. Donc peut-être que le blaster va tirer au coup par coup, mais on croise les doigts les gars pour que ce soit un blaster rafale. Parce que les gars, si ce fusil d'assaut tire en rafale, mais vraiment, les gars, je vais l'adorer. Il y a des gens qui, j'ai vu des avis déjà, il y a des gens sur Facebook qui écrivent que il a pas l'air super confortable. Bon, on verra ça. Bref, maintenant que vous êtes ici un peu l'esprit, que je vous ai donné un peu la hype, bah likez, abonnez-vous. Abonnez-vous parce qu'il n'y a que 95% des gens qui regardent mes vidéos qui sont pas abonnés. Bon, ça va, j'ai bientôt le record. Putain. Non, vraiment, les gars, sur toutes les personnes qui regardent mes vidéos, il n'y a que 5% qui sont abonnés. On est à plus de 250 abonnés. Et les 95% là, abonnez-vous. Comme ça, on va atteindre les 1000 abonnés très vite. Hein. Allez, abonnez-vous, les gars. On se grouille. Allez, le bouton rouge. Allez, il suffit juste de faire. Clic, c'est bon. Allez, abonnez-vous.
Il y a la cloche aussi, si vous voulez voir le nerf hyper match arriver, parce que j'ai réussi à l'avoir avant tout le monde, donc au final, voilà, autant se faire plaisir. Le 26 juin, pour rappel. Donc le nerf Fortnite BAR. Donc ça, hop, je vous spoil la boîte. Absolument fantastique. Donc il est fourni avec un chargeur de 10 qui possède un socle sur le bas, donc il est unique, hein, ce chargeur de 10, parce qu'il a une forme particulière. Il reprend la forme du vrai chargeur. Donc c'est vraiment un stay AUG en fait. C'est un AUG, frère. Alors après, il faut savoir que le nerf Fortnite qui existe vraiment au final, quand on y pense, le pistolet à eau, burst air. Voilà. Donc du coup, bah comme vous pouvez le voir, je sais pas si vous voyez bien, le viseur qu'il y a sur le blaster, je sais pas si on pourra l'enlever, je pense que oui. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il comporte lui-même plusieurs rails tactiques. Tactical, yeah. Bon, il semble pas avoir des rails tactiques ailleurs. C'est un peu comme un Raven, donc on a un bouton. Mais les gars, je vous le dis, s'il tire vraiment rafale, voilà. On va considérer qu'il est pas encore sorti, ok. Il est pas encore sorti. Mais il est déjà là. Et il va coûter 56€. Bon, c'est un Air Fortnite, j'ai envie de vous dire, c'est toujours cher. Donc la description. Comprend un clip amovible, donc un chargeur, de 10 fléchettes et 10 fléchettes élites. Qui sont blanches et oranges. Bon après, on va pas se le cacher, les fléchettes élites, plus personne s'en sert. Mais pour la collection, des couleurs, ça peut être pas mal. J'irais même pas vous conseiller les fléchettes AcuStrike, je conseillerais les Waffle Dart de chez Adventure Force. Qui au passage a annoncé un nouveau blaster, le MK3, le Mark III, qui sortira bientôt. J'en dirai plus tard. Allumez le moteur et tirez 10 fléchettes d'affilée. Maintenez le bouton accélération et appuyez sur la gadget pour dire. Le nerf Fortnite BAR inspiré de l'équipement de Fortnite, donc du fuit d'assaut à rafale, en fait, du burst assaut trifold, bah, il prend bien son nom. Pile requise 4. Piles alcalines, donc des 1,5 volts, des piles de taille C. Retenez bien ça, hein, ce détail, les piles de taille C. Le fusil d'assaut, le nerf Fortnite AR, qui est une espèce d'énorme fusil d'assaut de la gamme Fortnite, il tire au coup par coup, il a 4 piles AA. Là, on a 4 piles C. Maintenant, regardons ce tweet qui nous dit très clairement... japonais ou du chinois? Moi, je sais pas. Le nerf Fortnite, le nerf BAR. 2021, nouveau produit, il a l'air vraiment excellent, moi perso. Je trouve qu'il est excellent, dites-moi votre avis en commentaire. En restant indulgent, parce que très peu de gens sont indulgents au niveau nerf. Soyez indulgents un peu, merci. Un blaster électrique de type bullpup assez compact. On dit que la batterie utilisée est 4 piles C. Elle est donc entièrement automatique avec 3 moteurs, c'est-à-dire le moteur pour tourner un rouleau, le moteur pour tourner l'autre rouleau, parce qu'il y a deux rouleaux dans un blaster électrique, je vous apprends un truc, et le moteur pour que ça tire en rafale. Bref, voilà, on va pas trop prendre compte ça. Comme le Rapid Strike et l'Hyper Fire, pas Hyper Strike, non mais oh, 47€, la poignée à l'avant est probablement amovible. La poignée à l'avant du STRUG. Non, je suis pas sûr. Alors prenez ça avec des pincettes, c'est une affirmation clairement. Il dit il y a ça, mais ça se trouve il y a pas ça, il y a pas ça. Il tire en rafale, on sait pas s'il tire en rafale, on sait pas. Parce que faire tirer en rafale un blaster bullpup, ça a pas l'air une mince affaire. Hein. Le système doit totalement être calé à l'arrière. Bref, on verra bien. Je suis peu confiant par le fait qu'il tire en rafale, mais s'il tire en rafale, franchement, c'est bon, vous gérez. Voilà. En plus, il est magnifique. Hein. Moi perso, je le trouve magnifique. Il est magnifique. Voilà, quoi. On mettra des chargeurs plus gros, mais un bullpup, un fusil d'assaut bullpup. Donc il tire en rafale, on n'est pas sûr, hein, clairement. Voilà, la poignée à l'avant, je pense pas que la poignée à l'avant, on peut l'enlever. Il y aurait un rail tactique, on verrait le rail tactique. Ça m'étonnerait qu'on puisse enlever la poignée à l'avant. Et ah bah enfin, ils mettent John C, le personnage principal de Fortnite. John C, le blond là. Donc voilà les gars, les filles, donc petite présentation rapide du PAR. Je sais pas vous, mais moi personnellement, j'ai clairement hâte qu'il arrive. Parce qu'on va pas se le cacher, il est quand même giga stylé. J'espère que cette news vous aura plu, que cette info vous aura plu. N'hésitez pas à partager l'information, évidemment, parce que pour que tout le monde soit au courant, brrr, voilà, n'hésitez pas. Voilà, donc évidemment, vous êtes au courant de cette information grâce à moi, bah vous me citez. Hein. Vinem, il m'a appris ça, même si je sais que personne ne le fait. Clair d'œil, vous voyez de qui je veux parler. En attendant, les gars, merci à tous, abonnez-vous, likez, et on se retrouve le 26 juin 2021, je précise l'année, parce que si tu regardes cette vidéo en 2024, forcément, voilà, tu t'en fous un peu. On va parler du Nerf Hyper Match, ou plutôt, on va tester le Nerf Hyper Match. Je l'ai 8-9 mois avant tout le monde, pour vous dire, je me suis cassé le cul, mais... Oui, pour ceux qui se demandent, Nerf Hyper arrivera en France en 2022, en ce principe, hein, on sait pas. Enfin, 2021, peut-être 2022, je sais pas. Et, au passage, par rapport à Nerf Hyper, je fais une grosse dédicace à tous les Suisses qui me regardent. Allez, c'était la blague, maintenant, merci, à la prochaine pour une prochaine news, et je vous fous une gifle.